Bonjour la France. What the fuck? Vous nous parlez de quoi ce matin, Bertrand? Je vous parle de mes deux chouchous de la semaine. Holly et Harry sont écossais, ils ont 8 et 5 ans. Et depuis leur plus jeune âge, depuis peu donc, les deux frères sont passionnés par la nature. Ils ont dressé avec l'aide de leurs parents la liste des 500 rêves qu'ils souhaitent réaliser ensemble. On y trouve notamment déterrer un fossile, découvrir un trésor, faire un selfie avec Marisol Touraine ou encore construire un igloo. L'un de ces rêves est faux. Ouais. À vous de trouver lequel. Ça, j'ai comme un doute, mais je pense que... Enfin, en général, quand vous mettez Marisol Touraine, c'est que oui, y a ça vient chose. Du plus profond de l'inconscient. Vous et êtes pas du monde très réel. Doué, j'ai quelque chose à régler avec elle. Eh bien, Holly et Harry viennent de réaliser l'un des 500 rêves en mai dernier. Après l'avoir lesté et équipé de polystyrène, et une fois les tests concluants réalisés dans leur piscine, ils ont mis à l'eau leur bateau. Playmobil, en avant les histoires. Ce petit voilier qu'ils ont baptisé l'Adventure est un jouet de la marque dont vous venez d'entendre le nom et le slogan. L'objectif des deux frères est ambitieux. Le bateau est censé faire le tour du monde. Ils le lâchent et il est censé voguer sur les flots. Alors pour mettre toutes les chances de leur côté, ils ont glissé de nombreux messages dans l'embarcation, des petits mots dans lesquels ils expliquent leur démarche et sollicitent l'aide de ceux qui croiseraient peut-être un jour la route de l'Adventure. Et il en est où le bateau aujourd'hui ? Parti d'Écosse en mai dernier. L'Adventure, ce petit bateau en plastique, a depuis son départ atteint les côtes danoises, suédoises et norvégiennes. À chaque fois, des anonymes l'ont remis à l'eau et ont informé les enfants de leur progression en envoyant un mail. Mais le périple de l'Adventure ne s'arrête pas là, puisqu'il y a quelques mois, le capitaine d'un bateau norvégien l'a fait embarquer sur son navire, un vrai voilier cette fois-ci, et il l'a équipé d'une puce GPS qui lui a permis de rejoindre le large de la Mauritanie, et surtout, ça a permis aux enfants de suivre le trajet de leur jouet. C'est incroyable. Et face à l'incroyable engouement suscité par les projets des deux petits écossais, des sponsors ont créé un site internet sur lequel tout le monde aujourd'hui peut suivre en temps réel le trajet du bateau d'Holly et Harry. Et à l'heure où je vous parle, il se rapproche des côtes vénézuéliennes. Et là, si vous allez sur internet, vous voyez la progression c'est du bateau. C'est bizarre. Magnifique histoire. Oui, une magnifique histoire, mais qui me rappelle la mienne. Lâché il y a 29 ans dans les eaux tourmentées de cet océan qu'on appelle la vie, je dérive depuis. Ah bon ? Sans savoir forcément où je vais. Et tel le bateau Playmobil des enfants, je croise parfois le chemin de personnes bien intentionnées qui m'indiquent la bonne direction à suivre et dont vous faites partie, Daphné, Ariel et Gilles. Merci à vous d'être. Merci Bertrand Chameroy. Le public n'ose pas applaudir, ils disent les bébés sérieux. Pauvre garçon. Toute l'équipe est là avec Gilles Jacob qui s'inquiète un peu. Un petit commentaire. Oui, dites-nous. Le film qui ressemble plus à ce qu'il vient de raconter, c'est Docteur Arkadin d'Orson Welles. Parce qu'il y a un dresseur de puces. Dites donc, vous êtes allé le chercher, celui-là. Europe.